Bonjour à tous et à tous, c'est Laurent 9726 de la chaîne Laurent.gaming. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Ark. Donc, dans bien débuter sur Ark. Donc, dans le dernier épisode, on avait fait le Terry, franchement, qui m'a énormément servi là. Et je vous avouerai. Parce que voilà, j'ai fini donc toute notre petite muraille, notre petite construction. Il y a que là-haut que ça a merdé. Parce qu'en fait, j'ai mal mis un poteau, puis j'ai continué et je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, du coup. Ça fait une décale, donc voilà, on a comme ça on a un petit visu sur tout ce qui se fait ici, enfin sur tout ce qui se passe ici. Voilà, on peut faire le tour de là-bas tranquille. Voilà, donc c'est ici que ça a merdé. Bon, c'est pas encore trop grave en soi. Hein. Ah, il y a des petits par hasard qu'ils ont 60 et. Ah, 45 sont pourris, ok. Donc voilà. Donc dans cet épisode, on va aller chercher un Argentavis. J'ai capturé un nouveau Ptera, un femelle. C'est 130-135. Donc j'ai les œufs, je les ai mis dans le frigo. Ils sont ici, on va en prendre un, on va en faire avec leur un. On va faire avec leur... Non, si, ça avait bien mis là pourtant, il me semble. Oh, ils sont là, on va en prendre un. Voilà. On va le faire avec leur... Donc j'ai rajouté un feu parce que c'était trop froid. Donc, hop. Trop froid, faut vraiment que je sois à côté en fait. Hein. Balancer sur les flammes quasiment. Donc là normalement il est bien, ouais voilà. On va pouvoir éteindre ça, et toi venir. Allez mon titi. Donc il est 215, c'est pas le meilleur des niveaux. Normalement il aurait dû être un tout petit peu plus élevé je crois, on va le mettre là. Là il sera très bien, pas bouger. Mais c'est pas grave, déjà en attaque il a pris combien? En attaque il a 1056, 1100, 400. Il a pas beaucoup d'énergie. Il a de l'énergie. 1056 en attaque. Ouais. C'est pas grave, pour les primes ce serait bien, par contre je crois que la croissance se fait un petit peu trop rapidement. Donc on pourra pas y faire les primes, il faudra que je descende ce paramètre là, c'est pas grave. Donc, pour faire l'argentavis, ce qu'il faudrait, je préférais c'est avoir un fusil, pour éviter de faire trop de dégâts, parce que sinon il va prendre cher et il risque de mourir. On l'a vu avec le Terry, hein. Là on va rajouter des narcos. Voilà. Ah là, c'est de la viande avariée qui va me manquer. Je crois que je n'ai plus des masses. Je crois que je n'ai plus beaucoup, peut-être là-dedans. Peut-être ici. Ouais, j'en ai beaucoup là, ça va. On va prendre ça. C'est pas celui-là. Celui-là, c'est où je suis en train de faire de la poudre à canon. Donc on est à 24 sur 24, faut que j'arrête ça pour pouvoir poser mes deux. Donc ça je prends ça aussi, là on va mettre la viande pourrie. Là on peut en mettre un stack de ça, voilà. Voilà, c'est relancé. Donc là-dedans, on va mettre nos pots. Faut clairement, après l'argentavis, qu'on fasse le centre d'usinage, parce que j'ai besoin de faire l'incubateur. Toi, on va arrêter
L'accouplement. J'ai besoin de faire l'incubateur, ce sera quand même beaucoup beaucoup plus facile. Pour faire éclore les œufs. Et puis pouvoir regarder leurs stats en même temps, quoi. Adolescent, il est. Ouais. Non, on n'aura pas le temps de faire l'hyprine, clairement. Faut que je descende encore. Au niveau de la vitesse de maturation, c'est en x15, je devrais le mettre en x10. On va boire un coup. Parfait. Donc, mes portes, normalement, c'est ici. J'aurais bien aimé finir mes narcos avant, mais c'est pas grave. Ils vont se terminer au fur et à mesure. Donc là, les portes, je vais les mettre là. Pas besoin des bolas pour le moment. On va faire donc le fusil. Les armes, arme à feu, le fusil, voilà ce qui va nous servir. Ce qu'il va faire, il va mettre autant de torpeur que les flèches, un peu plus même, mais il fera beaucoup beaucoup moins de dégâts par contre aux créatures, ça c'est cool. Donc ça c'est bon. Maintenant il va falloir qu'on fasse des balles. Pour ça que j'avais lancé à faire du charbon dès le début en fait. Dès le début c'est une chose. Dès qu'on a le feu de camp, les trucs c'est lancer. Lancer de la poudre à canon. Donc la poudre à canon. Pour pouvoir faire nos balles. Voilà, donc ensuite, armes, munitions, on va faire nos balles. 75, ça les fait par deux, je crois. Ouais, donc ça fait 150. Tant que ça se fasse, hop, on va mettre les œufs là-dedans. Bon les amis, je vous reprends dès que les balles et puis donc les fléchettes tranquillisantes sont faites. Bon les amis, ça y est, mes balles sont faites, mon fusil est chargé et maintenant je vais tout simplement me faire une armure, d'ailleurs que j'ai pas encore débloquée, c'est l'armure en métal. Armure, je sais pas, ouais, déjà si je crie, si j'écris AMU, ça va pas le faire. Métal, tal. Hop, donc l'armure. Elle est ici, on va la débloquer. Voilà, et là on peut construire donc notre armure en métal. C'est pas notre armure, métal, hop. Et voilà. Ce sera mieux que notre armure en peau. Ah, c'est pas ça que je voulais prendre. D'ailleurs, on va tout poser dedans. Ça, les caca, je m'en fous pour le moment. Ça, le silex. Alors, on a notre armure, le feu de bois, le feu de camp, je le pose. Ça aussi, branchage aussi. Voilà, normalement on est plutôt pas mal. On s'équipe. Voilà, ça on va jeter. Clairement, ça ne sert plus à rien. On va poser nos schémas dans l'armoire à schémas. Putain, c'est de la tente, c'est chiant.
Et là, maintenant, on est prêt pour aller donc faire les Argentavis. Je sais pas si je prends lui. Non, je prends de normal, je prends de lui. Donc on est parti, ça y est. Donc là, vous voyez, c'est le petit endroit où il y a les légumes. Normalement, pas très loin de là. Il y avait pas mal d'argentavis. Quel level lui? Level 15. J'aurais pas dû le tuer tout de suite. J'aurais dû le garder pour la prime. Lui il est level combien là-bas? 130. 145. Ok, bon on va faire notre piège par là. On va tout enlever ce qui pourrait nous gêner. Je pense qu'ici on n'est pas trop mal. On va poser ça là. Voilà. Alors, peut-être en mettre un quand même là. Parce que je suis pas sûr que on puisse sortir là non plus. C'est un peu chiant pour regarder. Là, normalement ça devrait être bon. On va mettre la porte là. La porte là. Celle-là, on va l'ouvrir. On va juste faire un petit test avec notre oiseau pour voir si on arrive à sortir. Et apparemment non. Il faut que ça soit si large que ça. Ça m'embête un petit peu. Là, normalement, ça devrait être bon. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. C'est tout juste, mais c'est bon. Donc toi, t'es level combien là-bas? Je vois le stego, mais j'arrive pas à voir l'argentavis. On s'en fout. Normalement, il devait être par là, je crois. J'en ai vu un. Je sais pas quel niveau il est lui. 50. Donc c'est par là qu'on les a vus. Lui, sans, il est pourri. Il est pourri aussi. Putain, j'ai loupé mon. Là, l'autre il s'est fait déglinguer, c'est bon. Est-ce qu'on peut l'aider?
Ils veulent que bien, lui. C'est pas ce qu'on avait vu. Putain, ils étaient là, ils se sont fait déglinguer ou quoi? Ils se sont fait déglinguer. Ouais, c'est pas eux quand même. Kilo en bas. J'ai pas envie de me faire ce 90 là. Et lui, il est quel niveau lui? 20, encore plus pourri. Lui, j'espère que c'est 130. 45. Lui, il est level que bien. Je crois que c'est le bon. Hein. Voir. 130, ouais, bah ça sera très bien. C'est pas le 145. Mais pour commencer. On va se poser là, comme ça lui donnera pas envie de partir. Normalement, il part pas, c'est nickel. On n'a plus qu'à le tirer tranquillement. En espérant que ça se passe bien, parce qu'en général, il y a toujours quelque chose qui foire. J'ai cru voir un truc. On va le mettre là. Ah, c'est bon, il était déjà passif. Il n'est pas encore en fuite, hein. Ça y est, peut-être que là il y est. Ouais, là il est en fuite. On va se mettre là, ça évitera qu'il sorte par là. Parfait. J'entends un truc là. Ah, c'est un mammouth. C'est bon. On va aller chercher de la prime.
Ah, il y a le stego. Ah, je suis full. Ah, t'as bien la viande supérieure. Putain, c'est chiant ça. Sup. Ouais, il doit y en avoir un paquet. On va tout y mettre dans lui, hein. Voilà. Bon, ça y est. Notre oiseau est tame. Non, c'est la porte. Je vais... On va le mettre en cryo et on va poser ça chez nous. Hop là. La prime, on s'en fout, on n'a pas encore de four. Pareil, il faut que je fasse un four. Important, donc les prochaines étapes c'est four, frigo et cryo fridge pour les cryopodes. Hop, toi tu vas aller là, toi l'argentavis ici. La selle, il va nous falloir quoi? C'est pas ce que je voulais faire. Hop, non, normalement je l'ai pas débloqué. C'est sur nous qu'elle se fait. Ah si, je l'ai. Je sais pas pourquoi ils sont débloqués. Chitine et peau. Ça devrait pas être un souci. Logiquement. La peau, je sais plus combien il en fallait. Normalement c'est tout à la fin. Ouais. Donc la chitine. Chitine combien? 150. Ah mais vas-y, viens. Voilà, nickel. Ah, il fait nuit, c'est chiant. Bon les amis, il commence à faire jour, c'est bon, on va pouvoir mettre la selle et l'essayer. Ça et ça je jette, ainsi que ça. Hop. Après un animal que j'aimerais bien time aussi, c'est le Desmodus. Ça va être cool, comme ça on va pouvoir grab l'ankylo qu'on avait vu tout à l'heure. Je sais pas si ça, quel est son niveau. J'avais déjà augmenté 3 points dans. Dans l'attaque. Il tape à 340. Ok. Faut qu'il mette dedans. Dans l'attaque. Les multiplicateurs sont un petit peu boostés, c'est normal, c'est pour pas perdre trop de temps. Je suis là pour vous montrer donc comment avancer dans Ark tranquillement. Donc je veux pas que la série dure trop longtemps non plus, c'est pour ça. Hop là. Donc voilà. Donc l'étape qu'on a fait aujourd'hui, donc c'était donc l'argentavis. Donc on a fait le fusil, on a fait l'armure, tout ça, donc voilà, c'est les étapes que vous devez faire. Dans la prochaine, ce qu'on va faire, c'est donc le centre d'usinage pour pouvoir commencer à faire tout ce qui est électrique, parce que c'est capital, voilà. C'est vraiment maintenant le transfert qu'il faut qu'on fasse, c'est l'électrique. On va passer au deux, on pourrait dire au deuxième tiers, quoi. Voilà. Donc les amis, sur ce, ben, je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre de gros pouces bleus, partager. J'avais fait un petit peu de viande là. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Transfert. Voilà, parfait.
Ça, on va le mettre là. Voilà, j'ai horreur de l'entendre gueuler. Donc voilà, partagez un maximum, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye les amis!